Bonsoir à tous. Il y a encore certaines personnes qui vont arriver au fur et à mesure parce qu'apparemment, il, il y a des inscriptions de dernière minute. Mais nous allons commencer. Donc, euh, bienvenue à tous et à toutes. Et je suis vraiment ravie euh, que vous ayez répondu euh, présent et présente à ce, à ce premier euh, thème euh, autour du sang que va nous présenter Dibambari sur euh, l'esprit, hein, l'esprit du sang, la vérité. Euh, par rapport à la, à la dimension spirituelle de ce que c'est que le sang. Et puis pour ceux qui voudront poursuivre pour aller un petit peu plus en incarnation, c'est-à-dire descendre un petit peu plus dans la réalité matérielle et matière de ce sang, ben vous, vous aurez en fait les informations nécessaires. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, puisqu'il y a des personnes que je ne connais pas, je suis donc euh, Dumwina Ramiadana, et dans ma fonction, je suis thérapeute holistique. Avec une approche initiatique et spirituelle. Donc, j'en dis pas plus pour ne pas prendre trop de temps. J'ai demandé à dit Bon que j'ai rencontré il y a environ deux ans et demi ou trois ans euh, lors d'un voyage en Égypte, et j'ai trouvé extraordinaire en fait la spécificité de son de son approche justement par rapport à toute euh, toute la manière dont il lit ce que l'on connaît entre guillemets sous le nom des hiéroglyphes. Et du coup, j'ai été séduite par, euh, par ça, déjà. Il a, il a mis en place une, une méthode euh, dont il vous en, il vous en parlera peut-être euh, au cours de, ce, de cette présentation, qu'il appelle la méthode Kuma. Mais c'est surtout, en fait, la, ce qui m'a séduit, en fait, dans la manière dont il, il porte, justement, sa spécificité, c'est sa passion. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que moi, je suis quelqu'un de passionné aussi quand je transmets. Je suis euh, plus ou moins, entre guillemets, euh, investi par quelque chose qui m'habite. Et c'est quelque chose que j'avais aussi senti et perçu euh, à travers euh, ce que barry partage euh, lorsqu'il propose justement des choses. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la sensibilité de ce qu'il y a derrière, derrière justement certaines consciences, vous allez peut-être reconnaître. Euh, je vous en dis pas plus. Vous verrez. Vous verrez. On en parlera peut-être à la fin de la, de la vidéo ou euh, dans un autre cadre. Donc je vais laisser barry se présenter. Et pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver, mais on va les accueillir et on va on va commencer. Sinon, on est là encore pendant un quart d'heure sans, sans commencer. Alors, Di bombari je ne sais pas si voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Euh, prière de m'indiquer si vous recevez parfaitement. Euh... Très bien. Mmh. Ok, <laughs> parfait. Merci. Voilà. Alors, merci Domoïna pour cette brève introduction. Bonjour à tous. Euh, mon nom est Di bombari Bog, auteur, écrivain, conférencier. Euh, promoteur de euh, lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes que nous avons abrégé méthode Kuma et euh, voilà auteur de plusieurs ouvrages maintenant qui portent sur euh, ce que j'ai appelé les humanités fondamentales pour chercher Kanta Diop et mettre à parler d'humanité classique africaine parce qu'en réalité c'est la même chose et je suis ravi euh, voilà de participer à cette introduction sur la question du sang et voilà, donc euh, j'attends euh, qu'on qu puisse, euh, qu puisse débuter. Alors je ne sais pas si je peux débuter ou alors je, je patiente encore un peu, mais en tous les cas, euh, euh, voilà. Je, je suis bien ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà. Donc tu peux commencer, hein dis bon Barry, on, on, va, on va pouvoir commencer. Il est, euh, il est 20h09, donc euh, c'est parti. <laughs> Ok, parfait. Donc, euh, comme vous vous en doutez, nous sommes bien rassemblés aujourd'hui pour parler en, en fait euh, bon du sang. Euh, j'ai cho choisi comme thème la vie spirituelle du sang, et bien, et bien honnêtement, il s'agit là d'une introduction, car euh, vous verrez, euh, la parole vous sera davantage remise, parce qu'en réalité, c'est plutôt euh, vos questions qui me permettront de préciser des choses que je ne veux faire que survoler euh, dans le dans le cadre d'une communication comme celle-ci. Par contre, c'est que j'ai souhaité faire quand même. Oui, ok, parfait, merci. Euh, je disais que ce que j'ai souhaité, euh, ce que j'ai souhaité faire en, en réalité, c'est une introduction, euh, disons, poser les bases un peu de la compréhension euh, que l'Afrique euh, subsaharienne a de ce que nous appelons le sang et à travers cela, bien sûr, la question du sacrifice euh, sanglant, évidemment. Donc, ce sont des questions que je vais survoler aujourd'hui. Et dans le cadre de l'école des scribes, nous avons euh, une tutelle. Cette tutelle, c'est le paradigme mandingue, je l'ai appelé de cette façon, mais enfin, c'est un paradigme soudanais qui nous sert de, de base et de référence. Donc, nous allons essentiellement nous référer à ce que disent les peuples soudanais, en particulier les Dogons, les Malinkés, les Bambaras, pour comprendre précisément de quoi il s'agit. Voilà. Donc, c'est une référence que nous acceptons pour les motifs que euh, ce sont des peuples qui entretiennent une relation étroite avec l'ancienne Égypte. Qui est encore pour nous un sujet un corpus fondamental pour ce qui concerne justement ce que ce que nous appelons les humanités les humanités fondamentales. Voilà et naturellement si vous avez des questions à la fin vous aurez bien évidemment le, le, le temps de les poser donc je vous, je vous invite à prendre des notes pour pour que la communication soit fluide Et à la fin nous pourrons revenir sur des points qui vont nécessiter quelques précisions voilà. Alors, je commencerai par poser les bases, comme je l'ai dit, hein, en introduisant la chose de cette façon. Euh, je dirais donc ce texte, l'être humain est constitué de huit principes groupés par paire de deux, mâles et femelles. L'être humain est constitué de huit principes groupés par paire de deux, mâles et femelles, qu'on appelle chez les Dogons, Kikinu. Il est également constitué d'une force vitale qu'on appelle... Euh, euh, c'est une manière de traduire ce que nous appelons le nyama, et de huit graines, huit graines symboliques, tous ces principes ayant pour siège le corps qui est constitué à partir des quatre éléments fondamentaux de l'univers, c'est-à-dire l'eau, bien entendu le sang. Pour ce qui concerne le corps humain, le sang et les liquides du corps, c'est la matière ou le, le principe spirituel qu'on appelle eau en français. Donc le sang se situe bien évidemment sous la tutelle de l'eau. La terre, euh, constitu qui constitue donc le squelette et la chair, l'air, qui constitue le souffle, et le feu, bien sûr, la chaleur du corps. Alors, je, je tiens quand même à rappeler en introduction que lorsque j'énonce euh, ces quatre éléments fondamentaux, je suis, je suis en train de parler des principes, des principes spirituels, car ces éléments fondamentaux sont d'abord des principes spirituels, et je vais insister là-dessus par la suite pour que vous compreniez bien de quoi nous parlons lorsque nous parlons de l'eau, de la terre, de l'air ou du feu. Il ne s'agit pas de l'eau que vous connaissez, il ne s'agit pas de la terre sur, sur laquelle vous marchez, ni du de l'air que vous respirez, encore moins du feu avec lequel vous cuisiez des aliments. Non, euh, c'est ce que nous voyons, ce n'est que la matérialisation de principes spirituels. Et quand on parle de spiritualité, ce sont ces principes qui nous intéressent, bien que euh, les éléments matérialisés sont un moyen effectivement de rentrer en communication, tout au moins en contact avec ces principes spirituels qui ont une manifestation, une incarnation, si vous voulez. L'eau et la terre sont des principes féminins, je pense que ça vous le savez, sinon je, je, je vais peut-être y revenir dans le détail, mais enfin, je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Et l'air, le feu, bien sûr, sont des principes spirituels. Et vous devez savoir qu'il existe une séquence dans la mise en place de ces principes spirituels, tout au moins de ces quatre éléments. L'air, le feu viennent avant. Euh, l'eau et la terre évidemment euh, parce que euh, dans le discours général le discours cosmogonique des peuples subsahariens en particulier des peuples soudanais on place le commencement des temps sous la tutelle de la saison sèche qui appartient à l'air et au feu ensuite vient la saison des pluies qui appartient au moniteur au rédempteur que nous appelons le nomo chez les dogons ou faro chez les bambara Malenke, qui est le dieu d'eau en quelque sorte si vous voulez qui est associé bien évidemment à la terre également et c'est un principe féminin d'où l'androgynie ou j'allais dire la gemellité, euh affirmée euh, du nomo en quelque sorte. Bon. Alors le mot Kikinu, qui désigne donc euh, ces huit principes groupés par paire de deux, c'est-à-dire principe de gemellité toujours à la base bien sûr, vient du mot kinu, qui signifie né, souffle vital ou vie et parfois traduit par âme par certains auteurs, notamment Germain Dieterlin lorsqu'elle parle de, donc de ce concept elle traduit par âme faute de mieux mais enfin on comprend que c'est une notion éminemment spirituelle voilà ça c'est pour les bases c'est sûr sur quoi on doit vraiment s'établir pour un début lorsqu'on veut traiter des questions même lorsqu'on veut parler de la spiritualité si on ne comprend pas ceci c'est déjà un problème parce qu'il faut savoir comment l'univers et la personne humaine est organisée parce que l'homme est à l'image de l'univers et nous avons une relation j'allais dire de type gémellaire en quelque sorte avec l'univers. Voilà. Et euh, il faut savoir donc quelles sont les interactions qui sont possibles et celles qui ne sont pas possibles. Voilà. Les huit qui nous, siègent dans l'eau. D'accord Donc les huit principes spirituels qui constituent l'être humain siègent dans l'eau. Voilà pourquoi ils sont de la souveraineté du dieu d'eau, c'est-à-dire du Nomo. Alors, sachez que quand je parle du Nomo, bien sûr, je parle d'Osiris, en fait. Euh, ça, peut-être que je ne l'ai pas dit, euh, parce que. Euh, je pense peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais vous devez savoir que euh, quand je parle du nomo, je suis en train de parler exactement d'Osiris, celui qu'on appelle Osiris en égyptologie, car c'est de lui qu'il s'agit. Donc, les huit qui, qui nous siègent dans l'eau, sous la garde du géniteur mythique de l'humanité, qu'on appelle nomo et qui est le maître de l'eau. Hein? Dibana, c'est-à-dire le maître de l'eau, le seigneur de l'eau, dit étant, étant l'eau bana veut dire Seigneur. Voilà. Enfin, ici, c'est le taureau chez les Dogons. Le culte de Nomo est un des principaux aspects de la religion Dogon. Ce fils d'Amma qui est le Dieu suprême, qu'on appelle Amon en égyptologie, jumeau ou androgyne, fut mis à mort et ressuscité pour purifier l'univers des agissements désordonnés et incestueux du renard, qui est son frère, s'appelle Ogo, qui, est, qui correspond à 7 dans la nomenclature égyptologique, si vous voulez c'est-à-dire le renard pâle. Descendu sur la terre avec l'arche rédemptrice, c'est-à-dire le placenta, Nomo préside à la fécondité et à toutes les forces de vie. C'est lui qui a enseigné aux hommes la parole, le tissage et toutes les techniques. Bien évidemment, ici on parle des techniques, il y a notamment l'agriculture. Son rôle est de lutter contre les forces du désordre et de mort. Représenté par le renard, c'est-à-dire Ogo. Il est le maître de l'eau et de la pluie, c'est-à-dire le maître du sang. Parce qu'il faut comprendre que le sang n'est qu'un dérivé de l'eau, d'accord? Du point de vue des principes, des principes spirituels. Voilà pourquoi les peuples soudanais ne parlent même pas beaucoup de, de sang. Vous verrez très rarement des, bon, j'allais dire des initiés, je vais dire ça comme ça, ou des personnes qui sont imprégnées de la tradition. Vous parlez du sang en tant que tel. Lorsqu'il parle du sang, il parle de l'eau. Parce que le sang est sous la tutelle de l'eau. D'accord Et vous verrez qu'en réalité, hein, l'eau, c'est le sang, le sang, c'est l'eau, quant au fond. Mais bon, pour l'instant, je, je vais dire comme ça, parce que je, je crois que dans l'esprit des uns et des autres, il y a quand même une dissociation qui se fait. Parce que quand on boit de l'eau, on n'a pas l'impression de boire du sang. Pourtant, en fait, quant au fond, c'est la même chose. Bon. Donc, je dis ceci. Son rôle est de lutter. Contre les forces de désordre et de mort représentées par le renard. Il est le maître de l'eau et de la pluie. Son culte est celui du binou. Bon, ce sont des détails sur lesquels je ne vais pas insister aujourd'hui, bien évidemment. C'est-à-dire le culte totémique qui honore dans chaque binou une partie de son corps sacrifié, morcelé et répandu aux quatre points cardinaux pour purifier l'univers, puis ressuscité sous forme d'espèce. Végétales diverses. Alors, j'ai souhaité euh, aborder aussi, euh, sans insister, l'aspect, j'allais dire végétal, si on veut, d'Osiris, c'est-à-dire du nomo. Donc, je vais en parler un peu parce que je sais que euh, par nos communautés, il y a parfois un débat qui persiste quant à savoir si ce qu'il est nécessaire réellement de faire des sacrifices sanglants ou il suffit d'offrir comme ça des plantes. Pour avoir les mêmes bénéfices et les mêmes résultats. Bon, je vais essayer d'organiser de, 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 le discours pour que vous puissiez vraiment comprendre comment la chose se passe. Voilà, je pense que je vais être suffisamment clair, tout au moins je l'espère. Donc, ce que je suis en train de dire ici euh, se réfère bien évidemment à ce qu'on appelle en, en égyptologie la passion d'Osiris, parce que le Nomo et Osiris, c'est la même entité. On, vous devez le savoir. Voilà pourquoi le Nomo est démembré et les morceaux de, du corps du Nomo sont éparpillé aux quatre coins de l'univers, c'est-à-dire quatre points cardinaux, c'est lui qui forme les quatre points cardinaux, qui sont affectés à différentes puissances aussi, notamment aux éléments euh, fondamentaux. Et euh, tout comme Osiris, en Égypte antique, vous le savez, c'est euh, euh, Seth, on va dire ça comme ça, qui va démembrer Osiris et qui va, à la suite de ce démembrement, euh, éparpiller les morceaux du corps d'Osiris qui vont être ensuite rassemblés par Isis, etc. Ça, c'est une histoire, je pense que vous connaissez mieux sans doute, parce qu'elle euh, est quand même euh, mieux diffusée. Mais enfin, il faut savoir que c'est un paradigme, tout au moins, qui appartient au Soudan occidental. Et ce que les grands les disent pour, pour ce qui concerne Nomo, c'est la même chose que les Bambara, Malinké, Bozo disent pour ce qui concerne Pharo, qui est également le dieu de l'eau, qui est le nom d'Osiris chez les Malinké, les Bambara et les Bozo notamment. Voilà. Donc son culte est celui du binou, c'est-à-dire le culte totémique qui honore dans chaque binou une partie de son corps sacrifié, morcelé et répandu aux quatre points cardinaux pour purifier l'univers puis ressusciter sous forme d'espèces végétales diverses, j'aurais pu rajouter aussi sous forme d'animaux parce que euh, chaque totem est une manifestation du nomo, c'est-à-dire une manifestation d'Osiris. Et voilà pourquoi... Dans une, un territoire comme l'Égypte pharaonique, vous avez des personnes qui euh, observaient une, une certaine différence vis-à-vis -vis de certains animaux, notamment les crocodiles ici, les chats là-bas, les ibis ici, les lions là-bas. Enfin, bref, euh, c'est un peu comme ça que la chose était organisée. C'est aussi une, une spiritualité de conservation et d'écologie en quelque sorte, parce que derrière cela, il y, a des il y a une réelle préoccupation de faire perpétuer la vie des espèces existantes. D'accord Ce qui n'est qu plus réellement la préoccupation des, des, des humains par les temps qui courent, mais c'est fait partie des choses qu'il va falloir évidemment changer. Voilà. Donc, euh, je voulais vous présenter ceci, car euh, c'est un peu la manière de résumer tout ce que je viens de dire en survolant la chose. Parce que le point de départ de la spiritualité kémite, la spiritualité des peuples soudanais, c'est un œuf. On appelle le ventre des signes ou le ventre d'Amma. D'accord euh, Voilà. L'œuf du monde. Euh, adunotal, on peut aussi dire Adunotal, c'est la même chose, tout, ce sont des façons de nommer la même chose. Cet œuf est à la base de, de, des conceptions cosmologiques, philosophiques, spirituelles des peuples soudanais. Il est constitué, comme vous le voyez, de quatre parties représentées par les éléments fondamentaux que sont l'eau, on dira l'air, mais ce n'est pas tout à fait l'air, parce que l'air c'est déjà la somme euh, des, 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 des quatre éléments. Ça, bon, c'est peut-être des détails peut-être un peu plus sophistiqué sur, vers lesquels je ne vais pas m'établir aujourd'hui. Mais généralement, on peut dire l'air, parce qu'au moins, on comprend ce qu'on dit. D'accord? Mais sachez que c'est pas tout à fait la position de l'air ici. Bon. Ensuite, le feu et bien sûr la terre. Bon. Ici, quand on parle de l'œuvre primordiale et donc de ces éléments, vous devez savoir que nous sommes au niveau des principes spirituels. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'incarnation, de, de la matérialisation. Parce que le feu qui vous brûle, ce n'est que la matérialisation d'un principe spirituel. Et lorsqu'on fait, ou on, on parle de spiritualité, d'ailleurs, le mot même suffit à le comprendre, nous ne sommes pas dans la matérialité des choses. D'accord? Euh, ça, c'est clair. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous n'avez pas à disposition le feu que vous ne pouvez pas solliciter ou faire le feu. D'accord? Ça, c'est une, une règle fondamentale. C'est-à-dire, les peuples africains, soudanais en particulier, fonctionnent à partir de la vibration, à partir des vibrations de retenue dans les mots que nous prononçons. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et aux mots que nous prononçons et à la manière de nommer les choses. Parce qu'une chose peut remplacer une autre du simple fait qu'elle s'appelle de la même manière. Et c'est aussi, aussi la règle de, de fonctionnement, même de déploiement, si on veut, en quelque sorte des caractères sacrés égyptiens. C'est-à-dire ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Donc, cette effet constitué, vous le voyez, quatre parties, on va dire, de cette, cette manière. Le, le moniteur est au centre. C'est la cinquième partie, on n'en parle pas souvent, pourtant c'est lui qui fait la somme, effectivement, de ces quatre éléments. Et c'est l'image de la croix, ça aussi vous devez le savoir, Et disposée selon les quatre points cardinaux qui sont répartis exactement comme vous, le, comme vous les voyez maintenant. Sachez que chacune de ces parties, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire l'air, entre guillemets, le feu ou les terres, sont constituées elles-mêmes de deux personnes. Bon, enfin, je ne vais pas dire de deux personnes, disons de deux entités. Je préfère le dire de cette façon. Euh, parce que le principe fondamental qui anime cet œuf primordial, c'est le principe de gemelléité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on dessine cet œuf, on prend toujours le soin d'inscrire des signes doubles dans chaque partie, parce que chaque partie reçoit une part mâle et une part femelle. Donc, quand on parle du principe spirituel, notamment du feu, vous devez savoir que le feu a une partie. Femelle, une partie mâle. Le féminin correspondant à la lettre, enfin, au chiffre 4, le masculin au 3. Et la somme fait donc une personne. Voilà pourquoi on peut parler de personne lorsqu'on parle du feu, de la terre, etc. etc Parce que ils sont constitués d'un principe masculin, d'un principe féminin. Le masculin étant 3, le féminin étant 4, la somme fait 7. 7, le chiffre de la personne dans les traditions subsahariennes. Voilà. Donc, et j'insiste sur ces éléments, peut-être que vous ne percevez pas encore la pertinence, mais enfin, c'est important d'avoir cette vision de pour comprendre comment la chose évolue. Et sachez que cette œuf primordial, bien sûr, c'est le placenta de Dieu qu'on appelle le placenta d'Amma, si vous voulez, mais cette œuf représente dans toutes ses parties et pour tout ce qu'il est, il représente le nomos, c'est-à-dire le rédempteur, si vous voulez. C'est-à-dire celui qui va se sacrifier pour purifier l'univers des ordres causés par son frère qui est Ogo. Voilà. Alors, chez Bambara et les Malinqués, comme chez les Dogons qui sont d'origine malinquée, on dit que chacun des éléments constitutifs de cette œuf primordiale est formé d'un couple de jumeaux de sexe opposé. Ce qui signifie que cet œuf est constitué de huit personnes. Le chiffre 8, qui représente quatre paires de jumeaux, est le symbole de la gémelléité. La valeur numérique de ces quatre paires de jumeaux est 28. Fondamentale. Qu'on attribue à l'homme le chiffre 3 et à la femme le chiffre 4, chaque paire de jumeaux formant un couple. Le chiffre 28, c'est le chiffre du cycle lunaire et bien sûr menstruel également. Et ce qui a une conséquence au niveau des rituels aussi. Et c'est le chiffre consacré à ce qu'on appelle l'essence divine, c'est-à-dire le chiffre d'Amma, le chiffre de Dieu, c'est 28, parce que 28, c'est l'unité. Enfin, je vais mieux l'illustrer de cette façon. Voici un tableau sommaire que je présente parfois dans le cadre des cours où j'explique justement ce que je suis en train de dire. Parce qu'à l'origine, vous avez huit ancêtres primordiaux, les huit jumeaux qui se tiennent dans l'œuf, cet œuf que je viens de présenter. Admettons que l'homme c'est A, la femme c'est A', l'homme c'est B, la femme c'est B', l'homme c'est C', C', etc., c'est le féminin, etc. Donc vous avez huit jumeaux. Ça, c'est la base. C'est pour, pour cette raison qu'on parle à Hermopolis, par exemple. Qui est la tutelle sur laquelle nous, nous, nous travaillons dans le cadre de l'école des scripts? Euh, c'est cette cosmogonie que nous avons choisie parce qu'elle est mieux comprise. Nous avons ce qu'on appelle l'Octoad, c'est-à-dire les huit primordiaux, mais à cela doit se rajouter le moniteur, qui est le neuvième. Voilà pourquoi on peut aussi parler d'Enead à ce moment-là. Mais à la base, c'est huit, c'est-à-dire à, à huit, on est complet, fini, achevé. D'accord? Et. Donc, j'organise la chose de cette façon pour mieux l'expliquer. Donc, supposons que A, A c'est le masculin, A prime, c'est le, le féminin. Ensemble, ils forment une entité, entre guillemets, qu'on appelle l'eau. B, le masculin, B prime, le féminin. Ensemble, ils forment une entité qu'on appelle l'air. C, le masculin, C prime, le féminin. Ensemble, ils forment une entité qu'on appelle le feu. D, le masculin, D prime, le féminin. Ils forment une entité qu'on appelle la terre. Donc, ils forment en réalité quatre paires de jumeaux primordiaux, de sexes opposés. Euh, les uns avec les autres, les uns, etc. Enfin, la gémellité est partagée dans tous les sens, dans cet œuf. Et lorsqu'on additionne enfin une arithmologie, on tire des, des, des conséquences arithmétiques de cela, et bien sûr, on obtient 28, qui est la somme de 4 fois 7. Parce que 7, c'est le chiffre de la personne, je l'ai dit, je l'ai rappelé. Mais 28, dans le système de numération des peuples soudanais, est égal à 10, parce que 8 plus 2 égale 10. C'est comme ça qu'on compte, c'est comme ça qu'on réduit, on fait des réductions, en fait, dans la numération des peuples soudanais. Et 10, bien sûr, c'est l'unité. Donc, en réalité, nous parlons d'une unité dans la diversité, dans la multiplicité, puisque la finalité de tout ceci, bien sûr, c'est l'être humain qui est considéré comme fini, achevé, complet, et qui est considéré comme une unité à l'image de l'univers. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en Bambara, on dira Mogo. Pour dire l'être humain, quand en lingala on dit moko, moko pour dire un, c'est exactement le même mot parce que l'être humain, je peux même faire d'autres correspondances. Par exemple, en, en wolof, on va dire mat, on va dire mout, on va dire mot, tout comme en rare d'ailleurs pour dire être complet. Quand en bassa, qui est une langue que je connais un peu, on dit mout, mout, c'est l'homme, l'être humain. Parce que dans les conceptions africaines, il y a une correspondance perpétuelle entre l'unité et l'être humain. L'unité et l'être humain, sachant que met, bien sûr, c'est le chiffre 10 en copte. Donc, le chiffre 10, dans le système hiéroglyphique, correspond au nom de l'être humain, mout, dans les langues dites bantou qui va devenir muntu ailleurs, etc. C'est le même mot, on dit mot, moto, etc. Tout cela participe de la même racine, de la même intelligence, du même mot. Mais c'est important de comprendre que, donc, la base, en réalité, ce n'est pas parce que vous saisissez comme ça une multiplicité dans le, dans le, 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 le dénombrement <laughs> que nous sommes dans un système polythéiste, en quelque sorte, absolument pas. Parce que, la somme réalisée de tout ce que nous sommes en train de dire, bien sûr, c'est l'unité, qui est le premier principe, qui est venu, qui est venu au monde par lui-même, etc. Il y a plusieurs façons de dire la chose, mais enfin, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc, il faut insister souvent sur ceci. Mais le chiffre est 28 joue un rôle fondamental. Hein. Vraiment, euh, puisqu'il est question du sang aujourd'hui, je vais, je vais parler un peu justement de cet aspect, puisque le cycle lunaire est, à, est attaché à ce. À ce, à, ce, à ce chiffre, hein, à ce nombre, en quelque sorte. Et vous allez comprendre, en fait, à quoi c'est que c'est que, finalement, ce qu'on appelle le je sens ce sang, ce sang menstruel, bon, à, quoi, à quoi cela correspond. Et voilà, comment il faut le considérer, en quelque sorte. Et, et le disant, je veux me baser, en réalité, c'est ce que disent les, les savants euh, du monde soudanais vis-à-vis -vis de ces questions. Hein. Il ne s'agit pas pour moi de, <laughs> de vous dire des choses qui ne peuvent pas être attestées ni vérifiées, bien entendu. Donc, je dirais ensuite ceci. Amma, Dieu, sacrifia son fils, Nomo, qui versa son sang et les graines de ses clavicules. Aspect que nous n'allons pas, disons, on n'aura pas le temps vraiment d'aborder cet aspect concernant donc les clavicules, mais j'en parle parce que c'est important quand même de l'avoir en perspective. Amma sacrifia son fils, le Nono, qui versa son sang et les graines de ses clavicules, future nourriture des hommes, pour purifier l'univers. Du sang versé naquir au ciel deux arbres. Donc, c'est ça, c'est l'aspect végétation que j'aborde comme ça. OK? Rapidement, disons. Le kiléna et le pelou. Alors, le kiléna, je ne connais pas son nom en français. Mais le pelou, c'est un arbre qu'on appelle le calcédra. C'est un arbre sacré en Afrique. C'est même l'un des plus sacrés. Je vais, le, je vais vous le présenter tout à l'heure. Bien sûr, elle a de nombreuses vertus. De nombreuses vertus. Ça, c'est certain. Par contre, c'était cet arbre aussi qui est associé à la résurrection, notamment à la résurrection du nom, c'est-à-dire à la résurrection d'Osiris, hein, lequel c'est Vous devez le savoir quand même, d'accord Parce que Amma va se servir de cet arbre qu'on appelle Pelou chez les Dogons. En fait, c'est son vrai nom parce que lequel c'est c'est un mot. Enfin, bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais Pelou c'est son nom. Va se servir de cet arbre euh, pour ressusciter son fils. Okay. C'est encore des membres réfugiés aux quatre points cardinaux par morceaux qui, sur terre, se manifestèrent par quatre arbres, le Sa, dont je ne connais pas le nom en français, le Oro, qui est le Baoba, le mignon qui est le karité et le Yulo, dont je ne connais pas le nom en français. Symbole de sa résurrection végétale et de la purification effectuée par son sacrifice. Donc, le Nomo, qui est Osiris, est également incarné dans les arbres, essentiellement lié d'ailleurs aux arbres, puisque... Divinité associée à la végétation. C'est une raison pour laquelle vous verrez parfois Osiris comme ça, décrit comme le dieu de la végétation, etc. Parce que la chose ne se comprend qu'autrement qu'à travers justement l'eau qu'il incarne, car sans eau, point de végétation. Sans sang, point de végétation. D'accord? c'est une manière pour moi d'introduire aussi le paradigme qui va vous permettre de comprendre quelle est la préséance dans l'ordre des disponibilités vis-à-vis -vis des questions liées à la spiritualité qu'émite. C'est-à-dire que sans sang, Bon, je commencerai comme ça. Sans eau, ça au moins, c'est évident. Point de végétation, vous le savez, puisque la sécheresse, évidemment, permet d'attester de ce fait. Mais vous devez savoir que le sacrifice sanglant du nomo, OK, a eu comme conséquence, précisément, l'apparition de la végétation. Donc, sans sacrifice, OK, point de végétation non plus. Parce que l'eau et le sang, c'est la même chose, quant au fond. Hmm? Bon, c'est clair donc, je vous présente ce majestueux calcidra, Pelou. Ici, c'est au Burkina Faso. C'est un arbre sacré euh, que, nous, que nous devons euh, réhabiliter dans sa sacralité, parce que c'est des choses peut-être qui sont aujourd'hui oubliées, mais c'est l'arbre d'Osiris. Euh, c'est l'arbre sous lequel on peut faire de nombreuses choses intéressantes et euh, aussi, euh, à travers justement ses productions, réaliser de nombreuses choses intéressantes. Je vous invite, euh, pour ceux qui s'y intéressent évidemment, à vous intéresser à cette table, vous verrez, euh, au nombre des vertus, il n'est pas le moins loti. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord Bon, mais euh, c'est une manière pour moi aussi de marquer un arrêt pour signifier que les peuples kémites, et soudanais en particulier, ont ceci de remarquable, qu'ils ont quand même su entretenir, quand même une mémoire qui est parfois oubliée ailleurs, parfois perdue ailleurs, euh, ce, qui nous, ce qui nous oblige parfois… À tenter comme ça des innovations, quand au fond, tout existe. Il n'y a qu'une question de patience et d'abnégation, et aussi éventuellement de euh, d'humilité pour avoir accès à certaines, à certaines informations qui peuvent prendre du temps à être, à être révélées en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà, c'est des choses qui existent. Je, pour moi, c'est important de vous présenter ce genre de choses. Maintenant, on va parler un peu plus de euh, cette question euh, liée notamment au sacrifice. On ne recourt aux prières. Aux offrandes et aux sacrifices que lorsque le traitement, quel qu'il soit, psychique, etc., qu'est-ce qu'il soit, hein, on ne recourt aux prières, aux offrandes et aux sacrifices que lorsque le traitement prévu et appliqué selon les règles de la nomenclature et de la classification des végétaux a échoué. Ce qui veut dire qu'on ne prie pas n'importe quand, n'importe comment et à tout vent. Euh, les conséquences de cela, je, je vais tenter de, de les exposer à travers un texte que je vais vous lire à la fin, parce que c'est comme ça que j'ai voulu organiser le, 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 la présentation, parce que je ne pouvais pas tout exposer, ça aurait été long, et puis euh, euh, voilà, c'est une formule que j'ai choisie. Donc, on a eu recours aux prières, aux offrandes et aux sacrifices, que lorsque ce que nous savons de la matérialité des choses a échoué. Hein? Donc, c'est important ce que je dis, c'est-à-dire que on ne prie pas n'importe quand, n'importe comment, et pour rien, d'accord Les offrandes non plus sinon elles perdent leur valeur évidemment c'est un fait et des sacrifices évidemment d'accord donc on fait appel en quelque sorte à ces armes spirituelles lorsque le traitement prévu est appliqué selon les règles de la nomenclature et de la classification des végétaux a échoué dans ce cas le patient apporte un animal qu'on égorge sur l'autel tandis que le nganga qu'on peut traduire en français par guérisseur ou médecin si vous voulez fait tremper dans l'eau de la poterie, les végétaux qu'il va utiliser. Les âmes de l'ancêtre, ici je parle des dogans en particulier, bien sûr, qu'on appelle Diongousero. Diongousero, je vais quand même vous dire deux mots là-dessus, parce que quand je parle, je ne suis pas sûr que vous, vous allez peut-être euh, euh, pas saisir tout à fait les dimensions des choses. Bon. OK. Amma, le dieu suprême, a eu un fils. Ce fils est appelé Nomo. Nomo va descendre sur Terre. À l'aide d'une arche, qu'on appelle Koro. Cette arche présente le placenta. Dans cette arche, Nomo était accompagné de huit ancêtres, quatre hommes, entre guillemets, quatre femmes. D'accord Ce sont ces, ces huit dont il est question depuis tout à l'heure, sauf qu'ils peuvent être personnifiés ensuite, parce que ces huit ancêtres représentent non seulement les points cardinaux, mais les quatre éléments fondamentaux également, pour ne parler que de cela. Les quatre ancêtres mâles, avait pour nom Amaseru, Lebeseru, Binuseru et Djonguseru, dont il est question ici, qui va également être sacrifié. Djonguseru signifie littéralement le témoin du remède, le témoin du médicament, si vous voulez, parce que Djongu euh, signifie le guérisseur, le médicament, etc. dans les langues de Dogon. Voilà pourquoi c'est lui qui est sollicité dans ce contexte. Mais... Les noms, chaque, les noms de, de tous ces ancêtres, si vous avez été attentifs, sont tous accompagnés du mot seru, qui signifie témoin. Dans la langue de gond les Bambara malinké vont, vont dire seré ou siéré. Quel est le nom d'Osiris Parce que quand on lit, parfois le nom d'Osiris s'écrit, bon pour ceux qui sont familiers des hiéroglyphes, s'écrit avec le siège, suivi du thème du soleil. Et quand on lit d'après le copte, le siège, sa valeur, c'est si. Le soleil, sa valeur, c'est ré. Donc, le nom d'Osiris, tel qu'il se lit d'après le copte, c'est Siré. Siré. Comme en malinqué, on dira Siré, par exemple, pour dire le témoin, ou Siré, pour dire le témoin. D'accord Sauf que les deux gonds disent Serou, mais c'est le même mot. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces quatre ancêtres représentent à eux quatre Osiris, puisque eux, les quatre, sont en réalité la somme de ce que c'est que l'être humain, puisqu'ils représentent les quatre éléments fondamentaux qui sont les éléments constitutifs de la personne, en quelque sorte je voulais quand même apporter ceci en perspective parce que quand je dis que le nom mot c'est Osiris vous pouvez vous poser la question parce que ce n'est pas tout à fait le même nom que je prononce mais dans le rendu c'est-à-dire le discours général des peuples soudanais on retrouve Osiris voilà parce que quand on dit Serou on parle d'Osiris en réalité hein? c'est son nom le témoin tout l'association avec l'œil etc enfin, bref donc c'est important pour moi de, 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 de rappeler cela pour que vous ayez tout au moins un début de certitude quant aux correspondances qui peuvent être faites de ce point de vue donc ici je parle donc de Django Seru qui est l'ancêtre consacré à tout ce qui soigne, à la médecine c'est lui qu'on sollicite dans ce contexte là d'accord donc je disais, dans ce cas donc, au cas où ce que nous croyons savoir, disons euh, dans de la matérialité des choses sans avoir à questionner, à solliciter le, le divin pour aider les humains lorsque nous sommes limités ou lorsque ça échoue c'est là où nous faisons appel aux, ar aux armes spirituelles, aux armes, disons, célestes, en quelque sorte. Donc, dans ce cas, le patient va donc apporter un animal. Dans le cas présent, généralement, pour ce qui concerne les, les, les traitements genre, de cet ordre, c'est généralement une, une volaille, en principe un poulet, mais généralement c'est un coq, d'accord, qu'on égorge sur l'autel, tandis que le djongu, c'est comme ça qu'on l'appelle chez les dogons, fait tremper dans l'eau de la poterie les végétaux qu'il va utiliser les âmes de l'ancêtre Diongouseru viennent s'abreuver du sang sacrificiel et communiquent sa force vitale aux plantes médicinales. Ceci est pour moi une occasion, j'ai commencé à le dire et je vais finir aussi là-dessus, de rappeler la préséance qu'il y a dans le domaine de l'efficacité, dans le domaine des offrandes, dans le domaine des, du sacrifice. D'accord euh, Même si... Euh, on a des idées euh, sur euh, euh, l'usage des végétaux, sur ce genre de choses, parce qu'on a des, des, comme ça, des préférences. Ouais, je préfère le dire de cette façon. Sachez que l'Afrique, quand je dis Afrique, c'est même minable. J'aurais dû dire Kemet ou Kama a un discours général sur ces questions. Et que de ce point de vue-là, nulle part on ne se trompe. Ça n'existe pas une, 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 comment dire, une civilisation, une, une société constituée si vous allez au Bénin. Dans le vaudou, vous allez voir ce que je dis là. Si vous allez au Soudan, chez les Dogon, chez les Bambara, vous allez voir ce que je dis là. C'est-à-dire que les plantes sont une aide, mais leur efficacité est décuplée par la présence ou l'effectivité d'un sacrifice sanglant. Parce que, à ce moment, rentre en ligne de compte une autre dimension, d'autres éléments qui viennent soutenir en fait l'objet recherché dans le processus de guérison. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, je ne suis pas en train de dire que les végétaux n'ont pas leur efficacité. Évidemment, mais ce serait absurde. Puisque je sais parfaitement que la, la grande médecine africaine est tirée des plantes. Mais ces plantes-là, c'est le corps d'Osiris. Je préfère dire Osiris parce qu'au moins là, vous allez mieux comprendre. Ce que j'en parle de nomos, c'est souvent dans des, comment dire, des, des communications peut-être plus restreintes. Parce qu'ici, je sais que vous n'êtes pas tous avec nous. Dans, donc, c'est quand je dis nomos, peut-être c'est lointain pour certains, ils ne comprennent pas tout à fait. Mais la réalité, c'est ça. C'est que, c'est son sacrifice qui fait que les plantes poussent, d'accord C'est son sang versé qui fait, qui, qui, qui sont les graines qui font pousser les plantes, d'accord Donc, de ce point de vue-là, c'est donc un rappel, lorsque ça ne fonctionne pas littéralement, c'est donc un rappel que de faire un sacrifice en mémoire de cet ancêtre mort pour l'humanité pour que la chose soit, disons, rendue plus efficiente, on va dire. Ok, c'est ce que j'ai dit, clair je vais maintenant parler brièvement du sacrifice dans ses principaux aspects. Ce qui est en jeu dans ce que nous appelons le sacrifice, c'est une puissance impersonnelle qu'on appelle le nyama dans la dans le monde soudanais. Chez les Bassa au Cameroun, on l'appelle le ou. chez les Fang, Bétis du sud Cameroun, on parle de l'evu, vous, evu c'est le nom qu'on lui donne. Donc, il y a plusieurs noms pour nommer cette chose qu'on ne sait pas de nommer. C'est une puissance dont personne ne peut nier l'existence, mais qui se dérobe et qui est en fait un mouvement perpétuel, justement, dans le registre, dans euh, euh, l'application en quelque sorte du sacrifice. Est ce que, en fait, la spiritualité, généralement, tourne autour de la maîtrise du nyama. Voilà. Ce qu'on appelle la spiritualité est essentiellement organisée. Autour de ce qu'on appelle le nyama. Alors, nyama, c'est un mot qui, dans les langues de la zone dite bantoue, désigne l'animal. Voilà pourquoi, évidemment, ce sont les animaux qui ont une préférence dans le cadre des sacrifices. Nyama signifie aussi la chair, c'est-à-dire l'incarnation des choses, la chair, la viande, si vous voulez. Et, et certaines, certains mythes rendent parfaitement compte de cette proximité entre le nyama et la chair, notamment chez les bêtis lorsqu'ils parlent de l'évou. Les l'évou les a une préférence pour la chair sanglante, en fait. D'accord? Et si vous questionnez, par exemple, un Malien euh, du commun, c'est-à-dire euh, quelqu'un dans la rue, vous lui demandez ce que c'est que le nyama, il va vous dire que le nyama, c'est le démon. C'est ce qu'il va vous dire. J'ai été d'ailleurs surpris au Mali, euh, quand j'étais au Mali, de poser la question à quelqu'un qui était plutôt euh, enfin, censé savoir. Ça répond à un peu sur. Qu'est-ce que c'est que, qu pense que c'est quoi le nyama? le nyama, c'est le démon. Ça m'a surpris, parce qu'en réalité, ce qu'il appelle le démon, c'est ce qui parce que c'est pas c'est la nature impersonnelle du nyama qui fait que ça peut faire le bien ou le mal mais ce n'est en aucune façon le démon c'est l'intention de la personne qui fait le sacrifice et qui va orienter l'énergie et cette énergie va persister dans la demande parce que une fois que c'est lâché c'est lâché mais la vérité c'est que ce n'est absolument pas le démon ça quand même il faut le faut, faut le savoir quand au fond mais bon euh, le nyama est un fluide qui ne siège pas exactement dans le sang de l'homme mais coule avec lui dans ses veines. Le nyama est un fluide qui ne siège pas exactement dans le sang de l'homme, mais coule avec lui dans ses veines. Quand l'homme est dans son état normal, le nyama est distinct du sang sur lequel il surnage comme l'huile sur l'eau. Mais tout désordre physique ou psychique détruit cette harmonie. Mais tout désordre physique ou psychique détruit cette harmonie. La santé est conçue comme un équilibre, une stabilité physique ou même psychique, on pourra le rajouter, du nyama par rapport au sang. Okay? Donc, ce qu'on appelle la santé, dans tous ses aspects, je dis dans tous ces aspects. Il ne s'agit pas simplement de souffrir du palu et croire que quand on se rétablit, on est dans le relief, le relief de la santé. La santé, c'est valable dans tout, dans tout ce qu'on fait, dans nos activités quotidiennes. Quand ça marche, c'est en santé. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas en santé. D'accord. Sauf que c'est un mot en français qu'on a localisé quelque part où on croit que bon, c'est seulement quand on est atteint d'une certaine affection qu'on parlera de santé. La santé, c'est partout. Un pays soit en santé, soit en mauvaise santé. Euh, nos affaires, nos relations, c'est partout. Donc, le Nyama intervient à tous les niveaux. Sauf que l'école Griole, euh, qui m'inspire beaucoup dans les textes que je suis en train de vous lire, a un traitement, j'allais dire, localisé du fait. Euh, parce qu'ils sont dans le cadre d'une guérison, d'un guérisseur qui va donc agir pour guérir un malade. Mais sachez que pour ce qui concerne euh, les, dis les discussions générales autour du nyama, ça ne se limite pas à ces simples, à ce, 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 ce qu'on appelle la santé en français, parce qu'en réalité... Même quand je le dis en français, si on fait un peu d'effort, on comprendra qu'en fait, ça concerne tous les aspects. Tous les aspects de l'existence. Okay. La santé est donc conçue comme un équilibre. Une stabilité physique du nyama par rapport au sang. Okay. Cette relation des deux substances fait que tout écoulement de sang entraîne avec lui un écoulement proportionné de nyama. Une perte d'énergie en quelque sorte. Particularité qui joue un rôle. Très important dans l'institution du sacrifice sanglant. Donc, le nyama, ce qu'on appelle le nyama, est intrinsèquement lié au sang. Intrinsèquement lié au sang. C'est-à-dire que quand nous sommes en santé, entre guillemets, donc en équilibre, il est distinct du sang. Il circule dans les veines, mais il surnage. Il n'est pas mélangé au sang. Lorsqu'il se mélange, il y a des équilibres. Il se mélangent dans les cas de bon. Généralement, on parle de, de la colère. On parle. Enfin, il y a des choses comme ça qui qui, qui font bouillonner le sang entre guillemets. Voilà, et qui qui affecte le foie par exemple. Mais en réalité, euh, c'est un état que chacun peut connaître. Et euh, bon, voilà. Et il faut simplement savoir que ici, si nous, nous sommes dans un discours, j'allais dire physiologique, en hein, quelque sorte. <laughs> la réalité, c'est que euh, ça s'étend bien au-delà de. Parce que le niam est dans la pierre, le niam est dans les arbres, voilà, donc euh, c'est sûr. Donc cette relation des deux substances fait que tout écoulement de sang entraîne avec lui un écoulement proportionné de niam, particularité qui joue un rôle très important dans l'institution du sacrifice sanglant. Les dogons distinguent deux qualités de sang. Ça, c'est bien important. Okay? Les dogons, c'est-à-dire les Soudanais en général, autrement dit les kémites en général, Distingue deux qualités de sang qu'il discerne au cours d'un sacrifice, c'est-à-dire au cours d'un même sacrifice. Celui qui, tout d'abord, s'écoule vif et rouge de la plaie est dit il y est doux. Littéralement, ça veut dire sang bon. Le bon sang. Il est accompagné du nyama de la victime. Donc, c'est ce sang-là, il y est doux, qui a le nyama. D'accord Celui qui noircit, et s'épaissit. Lorsque la victime est près de sa fin, elle dit ili diodia, vide de tout nyama et pouru, c'est-à-dire impur. D'accord Donc le sang qui noircit et qui suit et qui précède, je vais dire, le, le, le décès, si vous voulez, immédiat de l'animal, est réputé vide de nyama, c'est-à-dire impur. Okay. Le sacrificateur évite à cause de cela de le laisser goûter sur son autel évidemment. Okay. D'autre part, le sang menstruel est également du sang diodia, c'est-à-dire impur parce qu'il n'a pas de nyama pour n'avoir pas formé. Alors, il justifie ça de, ce, de cette façon, mais je vais être encore plus clair. Il, il est vidé de son nyama dit-on pour n'avoir point formé le fœtus, ce que disent l'école griole mais je vais être beaucoup plus précis là-dessus. Le sang menstruel, c'est du sang mort. C'est exactement comme un cadavre. Vous devez vraiment le savoir parce que le cycle menstruel est basé fondé sur le cycle de la lune qui lui-même répond de l'essence divine qui est le chiffre 28. À 28, on est complet, fini, achevé, c'est le chiffre même de Dieu. 28 est indépassable. C'est la raison pour laquelle à Memphis par exemple, lorsque le taureau Apis qui est l'image vivante d'Osiris sur Terre, atteignait sa 28e année. S'il vivait jusqu'à 28 ans, il était sacrifié, mais il mourait de mort violente. Parce qu'on n'autorisait pas, on ne permettait pas qu'il dépasse 28. À 28, commence un nouveau cycle. Et 28 est, je veux dire, euh, comment le dire pour que ce soit compris? En fait, c'est la base. Hein, pour comprendre. Donc, la vraie raison, c'est ça. C'est que l'écoulement menstruel, c'est, correspond en réalité, évidemment, à la fin d'un cycle, mais à une vie qui n'a pas prospéré, c'est-à-dire à la mort. Et vous verrez, euh, les, les gens l'expliquer de diverses façons, si vous allez en Afrique, bon, vous verrez, les gens ne savent pas toujours, parce qu'on va vous interdire d'entrer ici, vous allez croire que c'est parce qu'on ne veut pas que les femmes, je ne sais pas pourquoi. Euh, non, non, non. Mais j'ai vécu moi, personnellement, une expérience quand j'étais en Côte d'Ivoire, je vais quand même vous la raconter. Peut-être qu'il y en a parmi vous ici qui étaient avec nous, parce que j'étais avec un groupe de Martiniquais, yononais, avec Popocla d'ailleurs qui était en Martinique. On était en Côte d'Ivoire. On est allé visiter, on va dire un médecin. Ok, mais vous, je vais vous expliquer pourquoi j'hésite. Il a à quelques kilomètres d'Abidjan un complexe où on trouve, d'un côté ce qu'on peut appeler un hôpital moderne, c'est-à-dire, hein, il a été subventionné, donc il a pu bâtir comme ça un hôpital, on va dire ça comme ça, mais tout à côté, un espace, j'allais dire traditionnel. Donc, quand nous sommes allés visiter, on rentre dans l'hôpital euh, soi-disant moderne, on passe sous, sans difficulté et personne n'éprouve <laughs> aucune, aucune gêne. Mais, Venant le temps, puisque les personnes étaient insistantes, ils voulaient entrer dans l'espace où on soignait les gens traditionnellement, il fait, passer dans le, il fait passer dans la délégation que si parmi la délégation, il y a des femmes qui ont leur menstru, qu'elles s'abstiennent de rentrer dans l'espace. Bon, les gens, évidemment, n'ont pas. Il n'a pas expliqué pourquoi. Et il ne pouvait pas non plus. Parce que, hein? Mais c'est parce que cet espace-là, où ils soignent traditionnellement, est consacré aux nomo. C'était un okay? bon, Les Senufo sont traditionnistes, ça, je pense que vous le savez. Ils ont certainement un nom singulier pour nommer la chose, mais sachez que c'est le nom aussi Osiris. Quand on a ce genre d'interdit, c'est que c'est lui qui est là. C'est lui qui gouverne cet espace. D'accord Et si d'aventure il y a une transgression, c'est dangereux et pour l'espace et pour la personne. Et je vais vous expliquer ça à la fin quand je lirai quelques textes, notamment sur les interdits du nomo. D'accord Donc c'est pour ça qu'il faut respecter cela. Et le sang menstruel, bon, je le dis parce que c'est une réalité, n'est jamais associé d'une quelconque manière que ce soit aux pratiques religieuses, parce qu'il est considéré comme impur. D'accord? Bon, au moins c'est clair. Donc le sang de l'accouchement est de même qualité, évidemment, car il constitue un excédent inutilisé dans le travail de gestation. Le sang d'un cadavre, c'est la même chose, pour les motifs que je viens de rappeler. Ces faits justifient les interdits relatifs aux femmes en état de menstruation. Aux accouchés, aux morts, leur état d'impureté étant dû à l'absence de Nyama. Dans la société, il y a des personnes qui sont permanemment impures. Mais ces personnes sont connues. Ce sont, ce, ce sont ces personnes qu'on appelle les gens de caste. Bambara disent les Nyama Kala. D'accord Les griots, les forgerons, les cordonniers, les charpentiers, bref, les artisans sont perpétuellement impurs. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas approcher des lieux de culte. Des lieux. Ils ne peuvent pas rentrer dans les temples. C'est interdit. D'accord? Parce qu'ils sont perpétuellement impurs. La raison de cette impureté vient du discours cosmologique qu'il met dans la société. Parce que le forgeron, tout comme le griot, c'est-à-dire le jelly, d'ailleurs, le jelly, c'est le sang. C'est le nom du sang. Jelly, c'est le nom du sang malinqué. Naissent du cordon ombilical et du placenta de Nomo lorsqu'il est sacrifié. OK? Donc, ils ont une relation intime, perpétuelle avec l'impureté. D'accord? Puisque le, la mort du Nomo a eu pour vocation de Purifier l'univers, d'accord? Et eux, ils sont associés à cet instant aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, dans les constructions cosmologiques, hein, moi je, je ne fais que ici, vous vous, vous exposez les catégories hein, dans, dans, la, dans la société telle qu'elle existe, parce que c'est un fait. La raison pour laquelle ils ne se marient qu'entre eux, qui sont endogamiques, des mariages endogamiques, évidemment. Bon, Aujourd'hui, c'est un peu perdu parce qu'on ne comprend pas toujours les motifs. Et c'est essentiellement spirituel c'est-à-dire que c'est dangereux pour le forgeron d'épouser une autre femme qu'une potière c'est-à-dire une euh, numomuso comme on dit c'est-à-dire une femme une potière parce que le forgeron doit épouser la potière parce Ils sont de même ils mêmes conditions et ils ont le même sang en hein, quelque sorte et c'est dangereux pour lui d'abord c'est-à-dire il en est parfaitement conscient lorsqu'il connaît la tradition donc ce n'est pas comme si pour lui il ne le vit pas comme une <laughs> comme une contrainte au contraire parce qu'ils sont par ailleurs, ça vous devez aussi le savoir, parents à plaisanterie de toute la société, donc de toutes les, les de toutes les, les, les j'allais dire entre guillemets les, dans les, les, les sociétés euh, soudanaises sont organisées so selon un, un ordre en quelque sorte qui émane de la cosmogonie, d'accord Donc eux, ils sont Sanankun, c'est-à-dire les, les djeli, les forgerons, et c'est pour ça qu'ils peuvent faire des sacrifices. Voilà pourquoi c'est le c'est le djeli, par exemple, le forgeron par exemple qui va faire les circoncisions, qui va initier les jeunes, qui va faire, faire les sacrifices, parce qu'ils ont une relation avec le sang, ils ne peuvent plus être atteints en quelque sorte. Okay? Donc, ils n'ont plus cette inquiétude-là, en quelque sorte. Et ils ont aussi un, un bénéfice du fait qu'ils purifient. Absolument, voilà pourquoi ils sont sans, parce que le principe de la sanancunia, c'est-à-dire la parenté dite à plaisanterie, c'est la purification, bien sûr. Ce sont des détails, mais c'est important d'avoir de, 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 aussi ceci en perspective, bien évidemment. Donc ici, c'est un schéma que j'ai souvent exposé à certaines occasions. C'est ce qu'on appelle en fait le mécanisme du sacrifice. Comment ça marche Parce que ce n'est pas le hasard, ce n'est pas, euh, je vais dire, c'est aussi certain que lorsque vous entrez dans une pièce et que vous êtes assuré que lorsque vous touchez à l'interrupteur, la lumière va s'allumer. C'est ça, le sacrifice. C'est-à-dire, ce n'est pas un endroit, euh, ce n'est pas une pratique qui laisse des doutes. Quand ça laisse des doutes, ça veut dire que la personne même qui, qui vous guide là-dedans, bon, ne sait pas faire le travail comme il faut d'accord parce que c'est aussi certain que ce que je viens de vous dire c'est-à-dire parce que le nyama c'est exactement comme l'électricité personne ne voit mais personne ne peut douter de sa puissance ça c'est clair d'accord et c'est le nyama qui circule dans le processus du sacrifice et c'est exactement le même proc procédé c'est pour ça que j'ai j'ai mis un un système électrique parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit sauf que évidemment euh, la pile est remplacée par l'autel parce que la pile c'est l'autel qui se charge et qui se décharge bon voici bah, le principe vous avez donc disons trois intervenants en S, c'est le sacrificateur. En V, c'est la victime qui va être sacrifiée. Et en A, c'est l'autel. En P, au-dessus, on va dire c'est la puissance. Mais en général, en français, on l'appelle Dieu. D'accord bon. Comment la chose se passe Et quelles sont les étapes Le sacrificateur se présente devant l'autel et annonce une prière. Dans sa prière, qu'est-ce qu'il met Il avertit Dieu, la puissance il va faire un sacrifice pour un besoin spécifique pourquoi il fait ça il fait ça parce qu'il faut que la puissance envoie dans l'hôtel ce qu'il a demandé hein? c'est-à-dire la puissance est capable de tout puisque c'est une puissance impersonnelle c'est ce qu'on appelle dieu qui est capable de tout évidemment d'accord mais généralement lorsque vous vous présentez devant un hôtel vous avez un besoin spécifique c'est-à-dire vous avez des besoins, mais je ne vais pas les citer, vous les savez autant que moi. Euh, voilà, euh, des, des problèmes à résoudre, ce genre de choses. Donc, quand vous vous présentez, la première chose à faire, c'est d'annoncer que vous êtes là et que vous vous apprêtez à sacrifier pour. Parce que vous devez savoir que quand vous prononcez le nom de Dieu, je vais d'ailleurs le rappeler à la suite. Vous verrez quand je vais faire la petite lecture. C'est une contrainte pour Dieu que d'agir. Parce que quand on prononce son nom, il est contraint d'agir. Donc la prière, ce n'est pas tant une requête, une demande à genoux par pitié. Non, c'est un ordre en réalité que vous donnez à l'univers. Ça, c'est peut-être une approche que la plupart des gens n'ont pas. Parce que ça fait que quand on prononce correctement le nom de Dieu, il est, il est contraint d'agir, il est obligé d'agir. C'est pour ça qu'on ne dérange pas n'importe comment. C'est pour ça qu'on ne prie on ne pas n'importe comment et n'importe quand. C'est pour ça qu'on ne le dérange pas n'importe comment. Parce que si il n'y a pas de contrepartie, vous allez être puni. Voilà pourquoi il y a l'interdiction de prononciation du nom, par exemple, du nom en certaines occasions ou, ou d'amma. On utilise comme ça des... Des de, de, de métaphores pour les nommer. Hein, vous verrez. D'accord Donc, quand le sacrificateur se présente, il alerte la puissance, c'est-à-dire Dieu. Il, va, il lui dit euh, Je m'apprête à faire ceci pour ça, pour ça, je vais te sacrifier ceci, ceci, ceci. Donc, Dieu va prêter l'oreille. Étape numéro 2, une fois qu'il a fait ça, il prend donc l'animal, ici en l'occurrence c'est une volaille, qui va donc sacrifier sur l'autel. Le sang va couler sur l'autel. Dieu, c'est-à-dire la puissance, envoie son yama dans l'hôtel. Je dis que le, le Nyama c'est une puissance impersonnelle qui peut tout faire, qui peut, se, qui peut se métamorphoser en tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Donc, il envoie ça dans l'hôtel. Et par la même occasion, quand il vient dans l'hôtel, puisqu'il y a du sang dessus dans l'hôtel qui vient d'être versé de sang tout frais, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre la force, cette nouvelle force qu'il y a dans l'hôtel, parce qu'il y a un processus d'échange, un processus d'équilibre qui doit être maintenu. Donc, quand il donne... Qu'il doit recevoir. Ce que je dis est très important. D'accord Vous devez vraiment comprendre ceci. Quand Dieu donne, je vais dire Dieu parce que, euh, disons la puissance, ce dégage dégage, quand il dégage une énergie, il y a un manque. Ce manque doit être comblé. Doit être comblé. Et ce qui vient combler, c'est l'énergie qui vient chercher dans l'autel. Ou en a versé le sang de la bête qui vient d'être sacrifiée. La force de la puissance passe donc dans la victime qu'on vient de sacrifier et notamment dans son foie. Qui se dit kiné, kiné n'est? Euh, ça désigne le foie euh, dans les langues de Gon, mais ça signifie aussi la vie. D'accord C'est pour ça que à la suite de cela le sacrifiant consomme le foie et assimile donc la force, c'est-à-dire le nyama de la divinité de Dieu en quelque sorte qui est donc passé dans l'animal qu'on vient de sacrifier. D'accord Bon certains vont manger d'autres parties mais ça c'est ça c'est leurs affaires. Moi j'ai dit ce que je connais. Donc je parle ici de quelque chose qu'on peut vérifier. D'accord. <laughs> Donc, et généralement c'est le foie de toute façon, parce qu'il a quelques bénéfices, entre autres. C'est aussi un organe qui purifie dans le corps. Ok. Donc, il est évidemment lié à ce qui est recherché. Et bien sûr, le but du sacrifice, c'est la purification, c'est pas autre chose. Le but du sacrifice, du sacrifice, c'est pas d'obtenir quelques bénéfices que ce soit. Le premier bénéfice de la, de, du sacrifice, c'est la purification, parce qu'une fois que vous êtes pur, vous êtes accessible à tout. La condition pour avoir ce que vous désirez, c'est être pur. Ce n'est pas il faut bien comprendre la séquence. C'est-à-dire que quand vous faites un, un sacrifice, vous allez annoncer ce que vous voulez parce que la puissance doit envoyer dans l'hôtel ce que vous avez demandé. D'accord Ça c'est sûr, ça c'est certain. Par contre, c'est seulement après que la chose se réalise. Mais ce qui est envoyé a d'abord le premier effet que de vous rendre pur, c'est-à-dire équilibre. Parce qu'en fait, quand on dit pur, c'est quoi La, pure, la pureté, c'est la perfection. La perfection, c'est l'unité. Je vais quand même insister là-dessus. Je, je pense que je dois me faire comprendre sur ce point. Parce que j'en parle souvent <laughs> avec les personnes avec qui je discute régulièrement, mais je crois que je dois vous dire ça. Vous devez savoir que l'unité, c'est le souverain maître. L'unité, c'est Dieu. L'unité est invincible, est immortelle. Quand je dis l'unité, comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire faire la somme des quatre éléments. Faire la somme des quatre éléments dans une société, à travers notamment une institution comme la Sanankunya. c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la parenté à la plaisanterie, faire l'unité à travers ce, ce processus rend la société invincible. Parce que personne ne peut vers l'unité, parce que l'unité, c'est Dieu. Donc, quand on dit qu'on est pur, c'est parce qu'on a réalisé l'unité. En réalité. Parce que vous devez aussi traduire ça d'un point de vue arithmologique en quelque sorte. D'accord? Parce que quand on parle de ces choses, il euh, y, a, y a plusieurs manières de comprendre la chose. D'accord? On peut parler de cela comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire à travers le fluide qui est le sang. Mais je vais pas aussi simplement utiliser les chiffres. C'est la même chose que je vais dire, mais avec une autre, une autre manière d'approcher la question. La réalité, c'est quoi? Le fond du fond, c'est quoi? C'est que le principe de la spiritualité africaine, c'est le manque de quelque chose qui est la position qu'occupe Osiris. Voilà pourquoi on fait des sacrifices. Le manque de quelque chose, c'est une perte. Cette perte est comblée par le sacrifice. Et ce que nous recherchons dans le sacrifice, c'est la possibilité de recréer, de créer à nouveau l'unité. Donc, objectivement, lorsqu'on parle, par exemple, de l'unité africaine, vous devez savoir que c'est une, une approche, c'est une conception éminemment spirituelle. C'est la raison pour laquelle cette unité ne peut se concevoir qu'à travers les personnes avec qui on partage une certaine euh, affinité spirituelle. Il faut que je me, comprenne, euh, que je me fasse bien comprendre. C'est-à-dire que le projet civilisationnel des peuples kémites est basé sur la spiritualité. On ne peut pas dans une société où il y a des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, je ne sais quoi, des, des francs-maçons, peu importe, chacun a sa, à sa chapelle, prétendre une forme d'unité. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes sacrifices, nous ne sommes pas dans les mêmes interdits. D'accord? Donc ce n'est même pas possible, il ne faut pas arriver, il faut pas perdre son temps. Donc quand on parle par exemple de panafricanisme, vous devez savoir que c'est une notion évidemment spirituelle. Il faut injecter la spiritualité là-dedans. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas... Dans le grand nombre que va nécessairement se réaliser l'invincibilité. Je donne un exemple concret. Je parle par exemple d'Haïti. Haïti a réussi sa révolution grâce au vaudous. Et seulement grâce au vaudous. Parce qu'ils étaient unis, unis autour d'une même spiritualité. Dans le bois sacré là, il n'y avait pas les francs-maçons, il n'y avait pas les chrétiens, il n'y avait pas les musulmans. Il n'y avait que des vaudous. C'est pour ça que ça a fonctionné. C'est pour ça qu'ils ont été inv... C'est même pour ça qu'il il reste, en Haïti, la devise qui est l'union fait la force. C'est la devise de ce pays. D'accord Parce que, unis, on est invincible. Donc, la grande difficulté des peuples kémites par les temps qui, qui courent, c'est de réaliser cette unité. D'accord Mais cette unité a comme base les éléments que je suis en train de, 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 de tenter, comme ça, bien modestement, de partager avec vous. C'est-à-dire, il faut bien comprendre dans, le, dans quel paradigme on doit s'inscrire pour réaliser hein? l'unification, c'est-à-dire le corps d'Osiris, pour être clair. D'accord C'est ça. Et ce n'est pas une manière pour moi d'exclure. Les musulmans, les... mais il faut bien qu'ils comprennent que bon, voilà, c'est une autre manière d'approcher la chose. Nous sommes avec les ancêtres, ils ont fait la civilisation d'une certaine façon. C'est notre référent et toujours imité, jamais égalé. Hein? L'Égypte pharaonique, beaucoup ont essayé, mais personne n'y parvient parce que les armes qu'ils ont utilisées, les armes spirituelles qu'ils ont utilisées sont invincibles. Et c'est ce qu'ils nous enseignent, hein, parce que c'est ce qu'ils faisaient. D'accord? Ce qu'on appelle la samatahu, oui, j'en parlerai dans quelques semaines, euh, c'est ça, c'est la sanankunia. D'accord? Voilà. Donc je voulais quand même insister là-dessus. Donc, quand on parle de sacrifice, ce qu'on essaye de faire en faisant tout ceci-là, c'est seulement réaliser l'unité. C'est-à-dire faire le Mogo, c'est-à-dire un. D'ailleurs, chez les Mossis, euh, en mots, on dit Mogo, c'est l'univers. On dit là-bas, le maître de l'univers. C'est le nom que porte l'empereur le, le, <laughs> Mossi. D'accord C'est seulement ce qu'on essaye de faire à travers les outils dont nous disposons. C'est ça la réalité. Mais ceci peut se faire à tous les niveaux. Et ce c'est aussi une raison pour laquelle les raisons pour lesquelles, par exemple, euh, nous avons institué le mariage, un ensemble de choses qui viennent en appui justement dans la réalisation de cela. Mais vous devez comprendre la base, le, fond, le fondement de la chose, c'est l'unité. L'unité, c'est la rédemption. Quand on est uni, on est sauvé de fait. Parce que même dans les langues africaines, quand on parle de l'unité, les mots qui viennent ensuite, c'est les mots de, de, de la rédemption, c'est-à-dire le fait d'être sauvé. Parce que c'est l'union qui sauve, l'unité qui sauve. Donc, quand on dit le sauveur en parlant du nos c'est parce qu'il s'est sacrifié et c'est lui qui nous permet, à travers son sacrifice, de réaliser cette unité avec les, les éléments qu'il qui, qui, qui met à notre disposition, notamment les, les, les animaux, etc., ce genre de choses. C'est ça. C'est pour ça qu'il est le sauveur. Okay? Et c'est la raison pour laquelle. Pour éviter justement une réactualisation du fait, par exemple, les chrétiens vont vous dire que ah, depuis que Jésus est mort sur la croix, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Ça, c'est une façon d'amener les gens à l'abattoir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis que, soi-disant, Osiris est mort, depuis que Nomo s'est sacrifié hein, dans le ciel, aujourd'hui, les Dogons font encore les sacrifices. Les Barbaras malinqués font les sacrifices au nom de Pharaon. Donc, c'est ce qu'on raconte chez les chrétiens. Puisque c'est une copie de l'original qui est notre tradition, c'est pour embrouiller ceux qui ne comprennent pas exactement comment c'est pas. Parce que je peux vous dire que les chrétiens qui sont initiés dans les mystères du christianisme font les sacrifices tous les jours. Ce n'est pas possible de faire autrement. Quand il n'y a pas de religion qui existe sans le sacrifice, ça n'existe pas. Et les musulmans l'exposent un peu mieux à travers la tabaski et, et d'autres choses. Les, les hébreux également, ils font leurs sacrifices. Mais la réalité, du, le fond du fond, c'est ça. C'est qu'il faut bien comprendre. Et naturellement, ce sont des lieux fermés, évidemment, et pour des motifs qui peuvent être euh, évidemment compris. Donc, le mécanisme du sacrifice, c'est un mécanisme, j'allais dire, entre guillemets, scientifique. Ce n'est pas, j'essaye pour voir, d'accord. Il n'y a pas d'incertitude. C'est aussi sûr que si vous allez dans votre chambre aujourd'hui et puis vous allumez et puis la lumière s'allume. Quand ça ne marche pas, c'est que la connexion n'est pas faite. Ok. Je disais que lorsque ça ne fonctionne pas, lorsque vous faites une demande et que ça ne fonctionne pas, c'est parce que la connexion n'est pas faite. C'est tout. Si la connexion est faite, ça va fonctionner. C'est clair parce que ça fonctionne justement sur le principe de l'énergie. C'est l'énergie qu'on manipule dans ce contexte-là. Et bien évidemment, c'est aussi le lieu où il y a quelques dangers. Tout comme l'électricien prend quand même ses précautions pour approcher un poteau électrique, vous devez prendre vos précautions pour approcher un hôtel. Ça dit, Il n'est pas question non plus de, 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 de s'inventer sacrificateur. Mais vous devez savoir au moins le principe comment ça fonctionne. Voilà. Et j'avais il y a quelques, quelques je, je pourrais dire années. Euh, rappeler en fait ce, ce cycle, qui est un cycle, disons, vertueux, un cycle qui explique les raisons du sacrifice sanglant. Tout part toujours d'un point qui est toujours le même, c'est la rupture d'un interdit, ce que d'autres appellent le péché. D'accord La rupture d'un interdit, interdit engendre un manque, le manque de quelque chose, qui est le nom d'Osiris, j'en ai souvent parlé à d'autres occasions. Ce manque-là nécessite un sacrifice pour être comblé. D'accord et c'est ce sacrifice qui va recréer en fait l'harmonie ou l'équilibre qui a été perdu et ensuite on réembarque encore dans une rupture d'interdit, etc. Donc c'est infini, nous sommes en perpétuel mouvement dans ce sens-là, Donc rupture d'interdit, c'est le point de départ qu'on peut choisir parce qu'il faut bien commencer quelque part parce qu'en réalité c'est un cercle donc on ne sait pas tout à fait où ça commence, ou ça finit mais enfin c'est un cercle, c'est un cycle. Rupture d'interdit qui engendre un manque. Le manque engendre un sacrifice, un sacrifice qui assure l'harmonie et l'équilibre, parce que l'énergie qu'on va chercher dans le sacrifice permet de combler le manque qui a été euh, observé lors de la rupture d'un interdit. Voilà. Donc, les interdits sont de deux sortes, de deux ordres. Il y a les interdits. Ici, je parle essentiellement des, des peuples soudanais, notamment des Dogons en particulier. Les uns ont un caractère général et sont respectés par tous les Dogons. Donc, les interdits du nom. Les autres ont un caractère local et sont valables pour une divinité en particulier. Quand je dis divinité, mettez des guillemets, parce qu'il y a toujours des divinités, entre guillemets, tutélaires, c'est-à-dire les ancêtres qu'on qu peut diviniser, etc. Ils ont des préférences, bien sûr. Chaque dogon est tenu, en quelque lieu qu'il se trouve, de respecter les interdits généraux du nom et, de plus, dans sa propre localité, d'observer rigoureusement ceux de la divinité particulière du lieu où il, dont il est le ressortissant. Ou le lieu où il réside. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est que sachez que ce que je dis là a une dimension universelle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dogon qu'on ne doit pas respecter ce que je vais vous parce que je vais vous lire quelques interdits tout à l'heure, okay, à la suite de ceci. Donc, c'est une dimension universelle. Vous devez bien comprendre cela. C'est-à-dire, la spiritualité kémite a une vocation universelle. C'est-à-dire qu'elle franchit et bien largement les frontières, des peuples qui entretiennent cette spiritualité aujourd'hui. La raison est simple, et les motifs même qui soutiennent ce, ce rappel peuvent être observés par exemple avec l'apparition de l'islam ou du christianisme ou de, du judaïsme, qui ne sont que des dérivés tardifs de la tradition spirituelle des peuples kémites. Et on voit bien qu'ils font des choses et qu'ils sont bien conscients du fait qu'ils en tirent quelques bénéfices. Donc, euh, sauf que dans ce continent qu'on appelle Kama aujourd'hui, c'est-à-dire l'Afrique, il y a des peuples qui en savent mieux que d'autres, qui ont mieux conservé la chose que, de, par exemple, les Dogons, pour avoir pour, été moins exposés à l'islamisme, parce qu'ils se sont réfugiés dans les collines et falaises de Bandhanga, donc euh, ils ont été moins exposés comme ça à l'islamisation. Donc, ils ont gardé jusque dans les années 60 des choses quand même intéressantes. Aujourd'hui, bon, ça se perd évidemment, puisqu'il il n'y a plus la même assiduité dans l'explication, la connaissance des choses. Mais nous avons quand même un matériau qui nous permet vraiment de, de, de comprendre. Hein, honnêtement. Il suffit de s'appliquer un peu. Pour... Même ils ont une langue. Donc, quand on comprend la langue et le mécanisme, on, on, on peut recréer les lieux parce que euh, la spiritualité est dans la langue en réalité. OK Donc, euh, j'insiste sur ce point parce que pour moi, le monde soudanais, le paradigme mandingue n'est qu'une porte d'entrée, mais valable dans le sens où nous sommes tous kémites, a priori. C'est-à-dire, euh, parce que je n'ai pas fait le compte des personnes qui, qui, qui nous suivent aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui viennent d'autres horizons, mais il faut qu'ils comprennent que de toute manière, la démarche est. Universel dans le sens où tout le monde est concerné parce que on appelle euh, l'eau nomo mais ça ne fait pas ça, euh, mais l'eau qui, 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 qui coule en France au Brésil je ne sais où c'est toujours l'eau il est toujours là-bas il est dans l'eau dès l'instant où vous êtes en présence de l'élément liquide il est dedans ça c'est clair parce que c'est lui <laughs> il est l'eau parce que nomo signifie donne à boire c'est ce que ça veut dire nomo donne à boire donc il faut bien comprendre que euh, ces éléments ne changent pas parce qu'on est dans, dans, dans un autre espace. Non, 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 non. non. Et il faut bien intégrer que nous sommes dans une démarche de restauration de la spiritualité des peuples kémites. Euh, nous allons certainement songer à une forme d'œcuménisme à un moment donné, mais le but, euh, puisque nous suivons les, les recommandations de Professeur Cheikh Anta Diop, est bien de parvenir à <laughs> restaurer ce qui peut encore l'être. Et pour cela, il faut nécessairement envisager de, 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 de s'émanciper de, de ces quelques... Euh, euh, idées qu'on peut avoir sur de là où on vient, notre village. De... Ben, L'Afrique appartient à tous ceux qui sont kémites. OK Donc, à partir de là, euh, quand je parle des Mandins, je parle des kémites. Et à partir de là, on peut donc considérer que la chose est valable où qu'on soit, du moment qu'on a cette sensibilité et cette, euh, cette ancestralité en partage. Voilà. Donc, je vais conclure en rappelant donc euh, un texte, bon, c'est un texte qui est relativement ancien, vous ne le trouverez plus, bon, il n'est pas disponible à la, enfin, comment le dire? C il n'est pas disponible à, à en librairie, je dois le dire, ce sont des choses relativement rares, mais j'ai quand même voulu euh, partager avec vous parce que, au moins, euh, ça, ça permettra certainement de nourrir les réflexions. Euh, c'est un texte qui est intitulé Le génie des eaux chez les Dogons. OK? Bon, je vais le lire donc. Je prierai d'être attentif, euh, certainement que je devrais sauter quelques parties, mais enfin, j'irai à l'essentiel. Les rapports qu'entretiennent en, qu les hommes et le nomo sont soumis à des règles. Donc, ici, je parle des interdits du nomo, c'est-à-dire d'Osiris. C'est de cela que je vais parler. Okay? Les rapports qu'entretiennent les hommes et le nomo sont soumis à des règles qui maintiennent l'ordre établi par le dieu Amma entre les puissances surnaturelles et les humains, lesquels sont pourvus de niamas incompatibles. Cet ordre est destiné soit à éviter des contacts entre ces forces, soit à réglementer les modalités suivant lesquelles ils peuvent s'établir. Les hommes sont donc tenus d'observer un grand nombre d'interdits relatifs tant aux nomos qu'aux autres puissances surnaturelles. La bienfaisance du génie s'exerce principalement envers ses ressortissants territoriaux et qui,